Hunter, nous avons achevé le dispositif de prélèvement de symbiote. Passez le voir à la forge. Salut, salut! Peter, qu'est-ce qui se passe? Stark et Strange sont en train de décider de ce qu'on va faire, Daddy. Tu crois qu'ils demanderaient l'avis de la seule personne qui sait ce qu'ils traversent? Tu parles. C'est vraiment naze. Ça va aller? Ouais, ouais. C'est pour Eddie que je m'inquiète. Je suis pas tellement chargé, vu que je suis pas un Avenger. Les gens comme eux. Hey Hunter, j'ai quelque chose pour toi. Ça va te plaire. Et voilà, Hunter, un échantillonneur de symbiote sorti tout droit des vieux fours démoniques. C'est différent de ce que j'imaginais. En effet, je n'ai pas la moindre intention de m'approcher de cette chose. Tu es docteur, ne me dis pas que tu as peur d'une petite aiguille. Ce n'est certainement pas ce que j'appellerais une aiguille. Bonnet blanc, blanc bonnet, sauf que celui-là est irradié de rayons gamma. Quoi qu'il en soit, on est prêt à commencer. Maintenant, il faut trouver un moyen de se rapprocher de Venom pour pouvoir l'utiliser. Et j'imagine que vous avez également un plan pour ça. Eh ben non, j'étais bien trop occupé à me disputer avec le gentil démon de la forge et à ignorer les conseils de Strange tout en fabriquant un extra... Mais en gros, il suffit d'en... Grâce à cette invention, nous pourrons extraire le symbiote à l'intérieur du réservoir. Je vois. Et Spider-Man ? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne lui ai pas fait part. Peter est un gentil gamin au grand cœur. Quand il regarde Venom, il... ça ne va pas être facile de récupérer cet échantillon. Et vous savez que... On ne t'appelle pas Hunter pour rien, pas vrai ? Tony... Je plaisante. Tu n'as pas besoin de mes conseils, c'est naturel chez toi. D'ailleurs, ton profil Super League fait déjà le buzz. Naturel ? Ah oui, c'est parfait. Qu'est-ce que tu dirais de lancer ta propre gamme de boissons Stark Drive 100% bio? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ouais, je sais. Et crois-moi, ça ferait un tabac. Mais la priorité, c'est de mettre la main sur Venom. Vu que le symbiote se balade aux quatre coins de la ville, on aura du mal à le localiser avec des moyens conventionnels. J'ai bien peur qu'on ait besoin d'une aide surnaturelle. Heureusement, Tati Caretaker et son miroir magique sont là pour nous aider. Je vais lui en toucher un mot. On se voit plus tard, Hunter. Qu'est-ce que tu m'as trouvé, chef ? Infovision activée. Ça te donnera un avantage certain. J'espère au moins que vos trouvailles en valent la peine. Ces choses faisaient fureur il y a des années. Chut, chut, chut. Tony se concentre.
c'est épatant que vous consacriez autant d'efforts à tout ce que vous faites. Tu veux vraiment en prendre plein la vue ? On devrait... Merci, Hunter. Attendez. Je vois que Tony vous a montré son nouveau jouet. Oui. C'est un véritable enfant. J'imagine qu'il n'a pas réfléchi à qui serait le plus apte à se rapprocher suffisamment de Venom pour l'utiliser. La personne en charge de cette mission va risquer sa vie pour moi. C'est une grande responsabilité. Je ne sais pas qui serait prêt à prendre autant de risques. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout le monde ici serait prêt à risquer sa vie pour aider un collègue. Le problème, ce n'est pas de trouver un volontaire, mais de choisir la personne la plus à même de réussir cette mission. Nous ne sommes pas obligés de prendre la décision maintenant, mais il ne faut pas tarder. Le temps nous est compté. Enfin, j'imagine que je ne vous apprends rien. Nous nous reparlerons bientôt. C'est bien, Charlie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Oh, qui c'est le plus mignon des chatons? T'es adorable, tu le sais? Caretaker parlait rarement de lui, mais... j'imaginais souvent mon père comme un grand héros qui protégeait ses bois, même dans la mort. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de connaître ma mère. Seulement le monstre qu'elle est devenue.
J'attends notre prochaine mission avec impatience. Un élément nous échappe, Hunter. Et le plus frustrant, c'est que la réponse est sous notre nez. Comment ça ? Hydra a mobilisé beaucoup trop de troupes pour occuper le Saint des Saints. Ils n'ont pas besoin de tous ces soldats pour sécuriser les lieux. La question est donc la suivante. Qu'est-ce qu'ils manigancent ? Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais ça ne présage rien de bon. Maintenant qu'elle s'est emparée du Saint des Saints, ma mère compte bien en profiter. Ça ne sert à rien de spéculer pendant des heures. Et pour ça, on a besoin de l'échantillon de Venom. Il faut absolument trouver un moyen de franchir cette barrière. Les problèmes continuent. Eh bien, on ne serait pas là si... Comment allez-vous ? Comment tu vas, Peter ? À toi de me dire, Hunter. On me donne... Ils discutent du sort de Venom, sans même... Tu as peur qu'Eddie Brock ne fasse d'autres victimes, n'est-ce pas ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu dois t'imposer. Je sais qu'on est tous sur un pied d'égalité. Mais Stark en impose... Ils m'écouteront jamais. Moi, je t'écoute. Il faut que je fasse quelque chose. Je pourrais peut-être cuire du pain au levain dans la forge. Ça ne coûte rien. Hein ? Non mais je peux... Peut-être que moi... Je veux attirer... Super. Merci, Hunter. Tu vas à l'atelier ? J'ai envie de... Donc... Ouais. Privyet, Hunter. Hunter. Je vais à l'atelier. Tu viens ? Je suis prêt. Ça marche ? Une minute. Qu'est-ce qu'il fait là, Tony ? Intéressant de voir comment vous avez corrigé la surchauffe. Par intéressant, vous voulez dire que c'est bien ou pas bien ? Aucun des deux. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Je vois. Oh, et je tiens à préciser que... Plus on est de fous, plus... Hein ? Enfin, je sais jamais comment parler. D'accord. Merci, Hunter. Salut, chef. Ça fait plaisir. Non, je sais. Toi... Qu'est-ce que vous faites ? J'arrivais pas à dormir. Et j'avais jamais... Ravi de vous. C'est gentil. Écoute, je... Bien. Vous m'avez bien entendu, hein ? Ouais. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Je serai complètement invisible. Comme Susan Storm ? Exactement. En un peu plus grand. Ouais, on est content que vous soyez là. Enfin, tant que vous comptez pas racheter notre atelier, moi, ça me va. Parole de scout. Alors, bienvenue à l'atelier, Tony. Bon, je vous laisse à vos affaires. Ça s'est bien passé. Un peu trop bien, même. Il est le bienvenu ici. T'as raison. Et c'est... Tant qu'il ne classe...
Mais t'es là pour... Maintenant que Wanda est passée chez l'ennemi... À quoi tu... On cherche pas à lui faire de mal. Comment ça? Notre premier... Un peu... C'est tout à... Notre... Un peu... C'est ça. Tu m'as déjà... Bon. Je suis prêt. Sans commentaire. Mais c'est... Tu veux partir? Je suis prêt à partir. Alors, Tony, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Qui ça? Moi? J'ai le droit de contribuer. On voulait juste savoir ce que vous en pensiez. Hunter a plus d'options contre le déchet. C'est bien, Charlie. Ça va te plaire. Qu'est-ce que tu m'as trouvé, chef ? Qu'est-ce que tu en dis? Tu as une idée en tête? Cela répond à vos attentes? Caretaker aurait quand même pu me laisser une chaise. C'est mon jour de chance, on dirait. Pas le temps de traîner, Hunter. On doit mettre toutes les chances de notre côté. Je me sens plus vigoureux. Même les vieux singes peuvent apprendre à faire la grimace. Ne cherche pas d'excuses. Très bien. Partenaire en approche. J'ai quelque chose pour toi. Une carte d'invitation.
Des composants pour la tenue. C'est presque aussi un... Je crois que j'ai mis... Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai... La nourriture est... T'as raison? Il faut satisfaire... Ouais... Voilà ce que j'appelle un bon moment. Fais attention. Dis, je peux te demander un service? Merci, Hunter. Je sais que c'est pas très poli de parler... D'accord. Je sais, j'ai dit que je n'ai... Quel dommage. Pardon, pardon? Vraiment? Nous allons devoir... C'est pas... Je parie... Malade. Content de... Au fait... Ça se passe bien avec ton Spark? Des commentaires? Il est bien construit. Donc, tu dirais que... Une... Parfait. Un... Je t'expliquerai. Chaque moment passé avec moi est incroyable. Bon, il semble qu'aucun d'entre nous ne soit... C'est ma Charlie à moi. Hola. Il faut que je t'emmène au cou... C'est... Non. Dès qu'on en... Tu ne veux pas... Non. C'est toujours... On est vraiment passé à la vitesse supérieure avec Hydra, pas vrai? À quoi tu penses? Franchement, je voulais juste te remercier. Même ce bon vieux Spark... Il tenait à... En temps normal. Je sais. Et en l'occurrence... C'est réciproque. Qui... On a déjà... Et j'ai à... Ça va te plaire. Salut Hunter.
partout. Mais je t'en prie. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? Bien, alors, tu t'y connais en métallurgie ? Tu devrais peut-être enfiler ton costume avant de commencer. Chut, chut, chut. Tony se concentre. Au revoir. Voyons si les rumeurs sont fondées. Je comprends que tu aies choisi ça. T'es de retour ? Je me sens plus vigoureux. On me demande pas toujours mon avis, mais je le donne quand même. J. Jonah Jameson a... Il y aura... Le Daily Bugle, d'abord. James... Ne l'est... T'inquiète. Dans... La... C'est... Merci. Bon, ma... Ça sera... Si... Hé, hey, je peux te demander un service. Merci, Hunter. Il faut que je m'entraîne. Tu pars en... Non. Si tu ne te reposes pas, tu ne récupéreras... Ouais, je sais. Mais si... Toi... On a intérêt à se refaire ça. C'est ça qu'il fallait absolument que je voie ? Un champignon ? Fascinant, n'est-ce pas ? L'une des espèces les plus... Et tu vois, c'est... Je ne savais... Oh, pas... Ton... Je sais... Et... Vraiment ? Je l'ai décapité. J'aurais... Bon... Enfin... Vous êtes sûr ? Non... Et puis... C'est bien, Charlie. Super, merci Hunter. Tout va bien ?